C'est Cédric, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2022 et aujourd'hui on va parler de la fin de saison 4. Pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode, je vous laisse aller le voir, il est disponible sur la chaîne YouTube. Donc on va parler de fin de saison. On va parler de fin de saison et on va faire un petit peu le bilan. On va faire un petit peu le bilan de cette saison 4 qui aura été plutôt compliquée, on va dire compliquée, complicado. Donc, cette vidéo que vous voyez sortira donc le 6. Donc, pour YouTube, si vous la voyez, c'est qu'elle est sortie. Et la saison 5 démarrera le 13 mars prochain parce que je laisse une semaine entre le moment où je poste sur YouTube, la présentation, la fin de saison 4 et la présentation de saison 5. Je laisse une semaine de battement pour pouvoir laisser le temps non seulement à tous ceux qui arrivent de récupérer le retard et voilà, de prendre le temps de récupérer un peu si vous êtes un petit peu en retard, de récupérer pour vous plonger amplement dans cette saison 5. Alors, on va aller faire un petit tour du côté des messages. On va commencer cette présentation, cette fin de saison. Cette fin de saison par booster un petit peu, booster un petit peu tout ça. Voilà, hop, hop, et voilà. Et normalement, ok, tout est bon. On booste un peu tout ça. On avance jusqu'au contrat. Le renouvellement de contrat, alors. Hop, on avance. On avance. On avance. On avance. Voilà. Allez. On y va. Il n'est pas content. Il n'est vraiment pas content. Donc, on va prendre un pilote qui est content. Si vous voulez mettre la panique dans 88 de notes. En gros, il a moins d'expérience que Verstappen. Verstappen, il a 86. George Russell, il a. En fait, il faudrait prendre un. Ouais. Alors, il est beaucoup plus expérimenté que Verstappen. Par contre, il est en manque de rythme. Il a beaucoup moins de réactivité. Il a vraiment une note de 62 par contre. Ouais. Ouais.
Alors là, par contre. Non. Franchement, vous voulez foutre le zbeul dans la grille? Faut prendre un de bas. Ha. Alors là. Je serais curieux de savoir, hein. Alors là, je serais curieux de savoir où Verstappen a terminé, hein. Aucune rivalité pour le moment. Mais tôt ou tard, les médias te demanderont probablement qui est ton rival. Fais bien attention lorsque tu le désignes. Tu gagneras en popularité si tu le bats, mais. Tu en perdras s'il prend le dessus sur toi. On a besoin de ton aide. Le choix n'est pas simple, je sais. Pas une décision facile, mais tu as parfaitement géré la situation. Merci. Alors là, je serais curieux de voir, hein. Vraiment. Alors là, on va faire un point sur ce qui vous attend, bien sûr, dans Nous cette devons saison actuellement 5, renforcer nos forces de alors. tâche. Tu devrais en utiliser une partie pour développer nos infrastructures.
Alors là, curieux. Hein. Curieux, curieux, curieux. Hein. Ah bah là. Par contre, on va essayer de remplacer le noir par... Ah merde, zut, flûte. J'ai oublié de faire quelque chose. J'ai oublié de faire quelque chose. Alors, ce que j'ai oublié de faire, c'est ça. Merde. Enfin, je veux dire zut. Voilà. Est-ce qu'on est vraiment obligé de laisser ça comme ça, peut-être? Ouais. Alors. On peut voir les pilotes. Est-ce qu'il y aura... Alors oui, forcément. Vous vous doutez bien que forcément, il va y avoir des transferts puisque... Ouais.
haute marche du podium. À moi la plus haute marche du podium. Victoire! Victoire! Let's go, guys! À toutes sur le podium! Wow, je suis autant claqué que mes pneus après cette course. Oh yeah! Coucou, drapeau à damier! Au revoir, drapeau à damier! Je dédie cette victoire à tous mes fans! Alors, vous allez me dire oui, mais t'as dit que tu porterais jamais le numéro 1. Bah si. Bah si, bah si, bah si. Parce que ça, c'est la dernière saison. Donc, c'est la dernière saison. Comment vont se passer les publications vidéo, comme d'habitude? On change pas une équipe qui gagne. Trois épisodes par semaine. Donc les lundis, mercredis et vendredis. Trois épisodes par semaine. Donc je l'ai dit, les lundis, mercredis et vendredis. Ça change pas. Donc à vous de faire les calculs. Quand vous regardez le classement. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là! Bon, alors. C'est. Y a pas de changement. Non, il n'y a pas de changement. Enfin, je crois pas. Donc, Cédric, c'est dans mon écurie, c'est normal. Verstappen, du coup, s'est retrouvé chez Mercedes pour remplacer le départ de George Russell. Eh oui, du coup. Lando Norris toujours chez McLaren, le duo Leclerc-Carlos Sainz ça bouge pas, Albon chez Alpine ça bouge pas non plus, Lando Norris pardon, Esteban Ocon ça bouge pas, Fernando Alonso, Alexander Albon, George Russell rejoint les rangs du coup de la Cedric F1 Team, ça bouge pas chez Red Bull. Sergio Pérez et Théo Pourchaire, Liam Lawson aux côtés de Max Verstappen. Il va se faire manger. Hein. Très clairement, il va se faire manger. Kevin Magnussen chez Haas, ça bouge pas. Pierre Gasly chez AlphaTauri, ça bouge pas. Oscar Piastri chez Haas aux côtés de Magnussen, ça bouge pas non plus. Oscar Piastri, ça bouge pas. Robert Schwartzmann, ça bouge pas. Guanyu Zhou chez Williams. Yuki Tsunoda chez Alfa Romeo, chez AlphaTauri, ça bouge pas. Marcus Armstrong chez Alfa Romeo, ça bouge pas. Aston Martin, ça bouge pas non plus. Et Latifi chez Williams. Non, mais ça bouge pas. Y a juste le remplacement de Russell qui vient. Du coup, dans notre écurie et Verstappen du coup qui prend sa place. Si on devait faire un bilan de cette quatrième saison, un seul abandon. Ça a été très compliqué au début parce que vous le savez, il y a eu pas mal de difficultés. Vous voyez, hein, j'ai pas fait énormément de victoires cette saison. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je crois. Donc 2, 4, 6, 7, 9, 10. 13 victoires. J'étais pas loin du record personnel de Max Verstappen en 2022. 13 victoires en saison 4. Voilà, le bilan est plutôt, on va dire, mitigé.
Il y a certains grands prix où j'aurais pu faire beaucoup mieux que ce que vous voyez à l'écran. Là, le seul abandon qu'on a eu, c'est à Imola, donc on va essayer de faire mieux. On va essayer de faire beaucoup mieux. Voilà les données après 4 saisons couvertes en My Team, 3 titres de pilote, 3 titres constructeurs, 56 poles, 1790 points marqués, 56 courses gagnées, 64 podiums, 65 podiums par 64 podiums obtenus, 65 pardon. 3 positions de moyenne en course, 3 positions de départ en moyenne, 12,6 km, 12,86 km parcourus, 69 tours, 69 meilleurs tours et 2207 tours effectués. Voilà ce qu'il en est de cette après une saison 5. Bon, il n'y a rien qui a bougé. Alpine, du coup, se retrouve deuxième. Alpine se retrouve deuxième, du coup, nous on n'a rien bougé, hein. Rien, absolument rien bougé. Voilà, tout est bien, qui finit bien. Les améliorations qui doivent arriver, parce que je rappelle qu'on a changé de moteur, on est du côté de chez Mercedes maintenant. On a la livraison estimée pour le 21, pour le 14 septembre, pour le 2 octobre et pour le 14 juillet. Donc normalement, si tout se passe bien, à la mi-saison, on aura terminé l'intégralité de ce qu'on avait à améliorer. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore améliorer? Ouais, ça, de toute façon, on n'a pas le choix. Voilà. Voilà. Ce qu'il en est de cette fin de saison et le début de la saison 5. Donc, je l'ai dit, cette vidéo, pardon, sera publiée le 6. Donc, le 6, c'est la semaine prochaine. Donc, c'est lundi. D'accord? Et du coup, la saison officielle, elle, démarrera le 13 mars prochain. Avec 3 épisodes par semaine, les lundis, mercredis et vendredis, soit en fin de matinée vers 11h30 midi, soit en début d'après-midi vers 14h, 14h30. Voilà, c'est là-dessus que cette vidéo va se terminer. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour une de nouvelles aventures. L'épisode, la fin de saison 4 et cet épisode-là seront publiés. Alors, l'épisode 22 sera publié demain et l'épisode, enfin demain, si vous êtes à ce stade de la vidéo, c'est qu'on est lundi et que vous avez vu l'épisode 22. Voilà, je vous souhaite, je vais juste faire un petit tour vite fait pour voir un peu le classement. Et puis voilà. Portez-vous bien, faites attention à vous, c'est là-dessus que cette vidéo va se terminer. Merci de votre fidélité à la chaîne, merci. Au retour des abonnements, ça fait énormément plaisir de savoir que vous êtes là et que vous me soutenez. Voilà, très clairement, hein, on va pas se mentir, hein, c'est très clairement aujourd'hui ce qui prime plus que tout d'ailleurs, c'est vraiment voilà, d'essayer de garder George Russell déjà jusqu'à la fin de la saison pour que on clôture ce My Team. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Ces 3 épisodes par semaine. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. On verra bien à ce moment-là venu. Bahreïn, le lundi 13, déjà pour commencer. Et puis après, on verra par la suite. Mais en tout cas, voilà, une saison 5 est enclenchée. Rendez-vous très vite pour la découvrir. Rendez-vous très très vite pour découvrir le tout premier épisode de cette saison 5. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.
Thank you.